This is CGTN, China Global Television Network. Visiting Beijing, Shanghai, Shenzhen, and Hong Kong SAR, he says he was impressed by what he saw. Leading a country endowed with natural resources, he says he wants to turn resource curse into a blessing. Putting industrialization and digitalization high on his agenda, he sees an even stronger partner in China. In this episode of Leaders Talk, we sit down with Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of the Congo. Hello and welcome to Leaders Talk, where we meet leaders, thinkers, and trailblazers. I'm Wang Guan. As the largest Francophone country in the world, the Democratic Republic of the Congo is blessed with rich natural resources and biodiversity. But the country has been consumed by decades of civil war. If and when will the country emerge from its war-torn past? What kind of relationship is it seeking to forge with China? Our guest today is Mr. Felix Tshisekedi, the president of DR Congo. President Tshisekedi, welcome to China and welcome to Leaders Talk. It is our honor. Merci. Merci beaucoup. You've been in China for quite a number of days, traveling across the country in many different cities. What impressions have you got out of this trip so far? How do you like China so far? Je profite de cette occasion pour remercier le président Xi Jinping pour cette invitation à effectuer une visite d'État dans son pays, que je n'avais jamais découvert jusqu'ici. Tout le monde entend parler de la Chine. Moi, depuis tout petit, je sais que nous avons aujourd'hui une cinquantaine d'années de partenariat, d'amitié. Donc c'est une très, très belle impression que j'ai. L'accueil était chaleureux, le pays est magnifique. Toutes les villes que j'ai visitées sont très, très belles, modernes. Je dis bravo à la Chine d'avoir réussi sa modernisation. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 60, la Chine et la République démocratique du Congo étaient plus ou moins au même niveau économique. Et le bond que la Chine a fait est impressionnant. Et ce modèle est vraiment un modèle que je voudrais imiter, que je voudrais dupliquer dans mon pays. C'est pour ça que j'apprécie énormément ce que j'ai vu ici. Mr. President, during your trip to Beijing, we noticed that you laid wreaths to the martyrs of the Chinese Revolution. You also visited the CPC Museum. Why did you go to those places? How do you like those places? What's your takeaway from those visits? Ben, tout simplement parce que il y a comme une similarité entre l'histoire des deux pays. La Chine a connu la pauvreté, nous aussi. La Chine a connu la famine, nous aussi. Mais en même temps, la Chine a des atouts sur lesquels elle a su surfer pour sortir de tout cela. Et c'est pour ça que c'est un modèle qui inspire. De venir voir ici comment la Chine a fait me tenait à cœur. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé d'être ici, de vivre la réalité, la palper des doigts. You know, regarding China's development path and the Chinese path to modernization, it is a hotly debated issue around the world these days. A lot of countries endorse China's path. And on the other hand, some countries portray China as this quote-unquote expansionary power. How do you look at the role of China? What is China to you when it comes to its global image and global influence? Je pense d'abord que la Chine, c'est plus d'un milliard d'individus. C'est pas tous les pays du monde qui peuvent compter plus d'un milliard d'habitants. Et réussir à sécuriser toutes ces âmes, réussir à leur garantir une sécurité alimentaire, une éducation, une santé, ce sont des défis énormes. Donc avant de juger la Chine, il faut d'abord vivre sa réalité. Et moi, je ne suis pas de ceux qui vont condamner quoi que ce soit en Chine, parce que d'abord je suis contre l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État, et parce qu'en plus j'admire cette œuvre que la Chine a réalisée dans
en relevant tous ces défis que je vous ai notés. Donc, je ne serai pas de ceux qui vont juger cela. Et au contraire, je dirais même, nous devrions nous inspirer de ce qu'a fait la Chine, établir des liens d'amitié, parce que entre amis, on peut se dire des choses, même les plus désagréables. Au lieu de condamner la Chine, de l'indexer, donc je suis de ceux qui respectent ce qui s'est passé dans ce pays et qui se passe. Et je suis convaincu que la Chine, il faudra compter avec elle dans les années à venir. Let's talk about China-DR Congo relationship. This bilateral relationship has recently, during your trip, been elevated to a quote-unquote comprehensive strategic cooperative partnership. What does this elevation of partnership mean to you, and how do you think it will transpire concretely on the ground for people in your country and in China? Je vous ai parlé des 50 ans d'amitié qui existent déjà entre nos deux pays. Nous avons fait un bilan intermédiaire de ces 50 ans d'amitié en regardant en face les problèmes qui touchent aux intérêts de nos deux pays, mais également nous vivons dans un monde globalisé aujourd'hui, les problèmes qui touchent au monde. C'est en analysant tout ça que nous avons ressenti le besoin de relever le niveau de notre partenariat pour le rendre stratégique et global. Je vous donne un exemple. Nous faisons face, le monde fait face à la problématique du réchauffement du climat. C'est un problème qui touche à tous les pays. Aujourd'hui, on le voit par les catastrophes naturelles. Il n'y a aucun pays au monde qui en est épargné. Le Congo se définit comme un pays solution, car grâce à son massif forestier, il capte le carbone qui est dans l'atmosphère. Ce sont des atouts qui peuvent contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. Nous avons des minerais stratégiques aujourd'hui qui rentrent dans le procédé pour construire, fabriquer des batteries électriques. Eh bien, ces batteries électriques, c'est de l'énergie renouvelable, c'est la transition écologique. De l'autre côté, eh bien, la Chine a l'expertise, a les ressources, et mis ensemble, ben, ces deux pays peuvent apporter des solutions au monde. Donc voilà le genre de partenariat que nous avons étudié et que nous avons décidé de relever parce qu'il peut produire de très très bonnes choses pour le monde entier. Coming back to bilateral relations, I noticed that in the joint statement issued by you and the president, there are 13, at least 13 areas of consensus. You also talk about mining and infrastructure, whereby the joint statement reads, the two countries will consolidate cooperation in mining and resolve the current issues, problems in a quote-unquote fair, practical, and trust-based manner. A lot of media are focusing on your trip and on the infrastructure deal signed by the two countries many, many years ago, by the previous government, of course. What is the latest progress regarding that cooperation initiative? Permettez-moi d'abord de parler des points qui me sont importants dans ce qui a été dit. Il y a d'abord la paix et la sécurité. Laquelle paix et sécurité va amener la stabilité et donc une atmosphère propice aux affaires, aux investissements. Ensuite, les points que je trouve très importants ici, c'est ceux qui concernent l'éducation, la santé et l'agriculture. Parce que c'est avec le peuple congolais que nous allons développer le Congo. Il faut que le peuple soit éduqué, il faut que le peuple soit en bonne santé, il faut que le peuple soit bien nourri. La sécurité alimentaire, c'est important. Ensuite, il y a l'environnement dans lequel nous vivons, que nous devons conserver pour un monde meilleur. Et enfin, vous avez parlé de l'industrialisation, donc le domaine dans lequel nous avons plus travaillé avec la Chine, dans lequel la Chine a beaucoup investi, les entreprises chinoises ont beaucoup investi, qui font d'ailleurs de la Chine le premier investisseur en République démocratique du Congo. Eh bien, là, ma vision, elle était celle de dire, nous avons envie maintenant de cesser d'être ou de cesser de servir de terre d'extraction uniquement. Aujourd'hui, il est plus que temps
de transformer les minerais qu'on extrait dans notre pays en République démocratique du Congo. Cela va donner une certaine valeur ajoutée et surtout créer de la richesse en République démocratique du Congo et de l'emploi. Et la Chine, là aussi, a accepté de nous accompagner dans ce que nous avons appelé l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Évidemment, l'industrialisation s'accompagne des infrastructures, construction d'infrastructures, et aussi de l'énergie. Ce sont deux grands défis que nous voulons relever dans les 10 années qui viennent, et la Chine s'est positionnée pour nous accompagner, ce qui fait que nous pouvons dire que notre coopération, notre partenariat, ne pourra être que gagnant-gagnant à l'avenir. There's also this important piece of agreement signed by my company, China Media Group, and their counterpart, a national television network of DR Congo. You and President Xi witnessed the signing of that ceremony. How significant do you think that is? And how important do you think media cooperation such as that can really elevate South-South media cooperation in perhaps break the monopoly of Western media in the global media landscape? Ce partenariat, cette coopération, c'est très important pour nous, nous Congolais d'abord, parce que nous avons, disons-le clairement, un grand retard par rapport aux autres médias. Nous avons un retard à combler. La modernisation n'est pas encore passée par la République démocratique du Congo dans le domaine médiatique. Et là, je parle à la fois d'équipement, de technologie, mais également de formation. Nous en avons besoin. Et ce partenariat avec le média chinois, le média principal, le média étatique, va nous aider à hausser le niveau de nos médias en République démocratique du Congo. Alors, cette coopération sud-sud, pour nous, c'est aussi une nécessité parce que nous avons besoin de promouvoir nos cultures. Aujourd'hui, il y a aussi une sorte de bataille culturelle, je dirais pas imposer, mais positionner sa culture. Et nous, en Afrique, je crois que une des choses à laquelle nous tenons, mais que nous n'arrivons toujours pas à imposer, c'est la culture. Je crois que de l'échange entre ces médias sud-sud va sortir quelque chose de positif de ce côté-là. Et tout le monde sait que l'identité des peuples, c'est la culture, elle se base sur la culture, et nous avons besoin de ce genre d'échange pour promouvoir notre culture. No war, no one again. He can hold in guns. Were you worried about your life at that particular time? Not at all. Excellency, thank you very much for your time. What is your assessment of the state of the continent today? Africa has the potential to power itself. Excuse me. Images may appear to be identical, but looks can be deceiving. The difference is not always obvious. It has to be discovered. There are always different sides to a story. We put the focus on the details. To see more, to understand better. CGTN. See the difference. President Tshisekedi, you talk so much about peace, development, and promoting cultures and civilizational dialogue. Actually, China
has its own solutions to them, officially known as the Global Security Initiative, Global Development Initiative, and recently Global Civilizations Initiative proposed by President Xi. What do you think of those initiatives? De toutes ces initiatives, je pense que ce sont des initiatives qui vont énormément aider la République démocratique du Congo particulièrement, mais en général l'Afrique. Nous sommes confrontés à des défis sécuritaires. J'ai parlé de mon pays, mais il n'y a pas que mon pays. Presque toute l'Afrique est parsemée dans ces sous-régions de conflits qui freinent le développement, puisque ça aussi c'est une initiative que j'ai trouvée très intéressante du président Xi Jinping. Et donc, nous avons besoin que la Chine nous accompagne dans la recherche de la paix, avec sa position au niveau du Conseil de sécurité, mais également dans le développement. Et là, elle est déjà très active sur le continent africain en investissant dans les projets d'infrastructures. Il n'y a pas de développement sans infrastructures. Et donc, ce sont des initiatives qui ne sont qu'à encourager. Le but ici étant d'aller dans des partenariats gagnant-gagnant. La Chine venant investir pour évidemment en tirer profit, et l'Afrique aussi devrait en sortir satisfaite, d'autant plus que nous sommes aujourd'hui en Afrique en train de vivre la réalité de la zone de libre-échange continentale. Et donc, si cela se passe très très bien, l'Afrique va devenir le plus important marché commercial du monde, avec plus de 2 milliards d'individus. Et donc, la Chine se positionne de manière, à mon avis, intéressante, parce qu'elle investit à la réalisation de ce marché commun. Et demain, elle sera sûrement une des partenaires les plus privilégiés par rapport à ce marché en construction. Donc, je trouve que la vision du président Xi Jinping est remarquable. Elle est même futuriste, et c'est sûr que les retombées qui en découleront seront positives et rejailliront de manière positive sur la Chine. Known as the heart of Africa, the Democratic Republic of the Congo, or DRC, is located in Central Africa on the Congo Basin. It is Africa's second largest country and one of the largest francophone countries in the world. It is home to some of the world's largest mineral reserves, accounting for 15% of copper, 50% of cobalt, and 80% of tantalum niobium. Besides minerals, DRC also has hydropower potential, as the Congo River is second only to the Amazon in terms of stable river flow. I know that DR Congo is the most biodiverse country in Africa. It's the second largest country in Africa, of course. There's a lot to be shared when it comes to conservation of biodiversity. Dans certaines parties du pays, il y a des parcs naturels et des aires protégées. Nous essayons de protéger, de promouvoir la biodiversité. Mais évidemment, nous sommes confrontés à beaucoup de défis. Je pense qu'il faut aussi réussir à sensibiliser la planète entière, et là je remercie la Chine parce qu'elle est sensible à cela, pour que on mobilise les ressources nécessaires promises, par exemple lors de la COP21 en 2015 à Paris, pour protéger l'environnement, protéger la biodiversité, protéger les pays qui sont capteurs de la pollution des pays industrialisés. Tout cela n'a pas été respecté depuis que ça a été décidé. Il est peut-être temps de commencer à y réfléchir. Et c'est pour ça que la Chine a une position importante, vu le fait qu'elle est parmi les P5, les pays membres du Conseil de sécurité, du membre permanent du Conseil de sécurité. Elle peut participer à ce débat et même à la recherche des solutions. That's a problem. Mr. President, DR Congo has a lot of natural resources, minerals, for example, cobalt, 70% of them around the world.
are right there. India, Congo, also gold, diamond, copper, you name it. Have these resources been a blessing and a curse? And if so, if a curse, how do you plan to, in your tenure, reverse this resource curse? Je ne dirais pas malédiction, mais je dirais à la base de nos malheurs, parce que malheureusement, nous n'avons pas eu de politique anticipative. Nous nous contentions de l'extraction et nous pensions qu'avec l'argent sorti de là, ça suffisait pour développer le pays. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que sans valeur ajoutée, ces minerais ne valent rien, en tout cas rien par rapport au développement que nous entendons dans notre pays. Nous avons une population qui est estimée à plus ou moins 100 millions d'âmes. Bientôt, nous le saurons parce que nous allons commencer, maintenant que l'enrôlement des électeurs est terminé, nous allons commencer le volet identification de la population, parallèlement au processus électoral. Donc, 100 millions d'habitants, c'est beaucoup. C'est pas la Chine, hein, c'est le dixième, mais... The largest francophone country bien in Africa. Bien sûr, c'est le pays francophone le plus large. Et donc, avoir autant d'individus, ça se prépare, ça se programme. Et c'est pour ça que j'ai un ambitieux programme de transformation de nos propres richesses naturelles. C'est très important de le faire. C'est valable à la fois pour les mines, mais également l'agriculture. Tout ce que nous avons fait jusqu'ici, c'était juste de l'extraction et pas de la transformation locale. Avec la transformation locale, nous allons créer de la richesse, nous allons exporter des produits à valeur ajoutée et il y aura des retombées nettement plus intéressantes que celles que nous avons, plus intéressantes que celles que nous avons, que nous connaissons aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est vraiment important de développer cette politique. J'y tiens et je remercie la Chine parce qu'elle a très bien compris ce message et elle se positionne à nos côtés. Nous allons avoir une expérience très intéressante dans la fabrication des batteries électriques à Manono, où nous aurons d'un côté l'État congolais, des entreprises chinoises et des entreprises américaines et européennes, au bout, comme end user. Donc c'est vraiment, j'allais dire, une chaîne comme je les veux, c'est-à-dire du gagnant-gagnant, tout le monde est content, à commencer par nous, qui n'allons plus servir de terre d'extraction, mais nous allons transformer nos minerais chez nous grâce à ces entreprises chinoises qui vont investir dans les infrastructures de transformation et les end-users qui seront peut-être aussi en train de construire ces véhicules en République démocratique du Congo. Mais dans tous les cas, c'est nous qui allons gagner économiquement et c'est tant mieux pour nos pays respectifs. I see a country on the move. There is my opportunity. Is it good to change so fast? Yes, but it's a challenge. We have one foot in the future. But we never forget our past. We need to talk to one another. And listen. More than a billion voices telling their stories. Rediscovering China, only on CGTN. Each day, there are millions of stories. Each one can open new perspectives, new possibilities. Wherever you look, we are there to see. Discover. Explore. We put the pieces together to find what really matters to you. All around the world. All around the clock. Our reporters are at home across the globe. From our headquarters in Beijing and production centers in Washington, Nairobi, and London. China Global Television Network. Stories from across the globe. Reaching people across the globe. CGTN. See the difference. Et
Mr. President, final question. You are governing the largest Francophone country in the world, the second largest country in Africa. If you think about the history of your country, it has been extraordinary. Gaining independence from Belgium in the 1960s, civil conflicts, strife, development. It's a tough country to manage. I mean, what keeps you up at night these days? C'est vrai, c'est un pays qui n'est pas facile à diriger. D'ailleurs, j'ai lu quelque part que la République démocratique du Congo faisait partie des 5 pays les plus difficiles à diriger au monde. Mais il y a une chose qu'on n'enlèvera jamais aux Congolais, c'est l'amour de vivre ensemble dans cet espace appelé République démocratique du Congo. Maintenant, à côté de ça, il y a plusieurs défis. Et pour moi, le défi le plus important, c'est le sécuritaire, donc ramener la paix, la sécurité, donc la stabilité. Ensuite, je dirais combattre la pauvreté, parce que la pauvreté est à la base et la source de beaucoup de difficultés, beaucoup de conflits, surtout entre les communautés. Et le jour où nous allons atteindre le degré zéro de pauvreté, parce que c'est possible, on le voit avec la Chine, j'ai parlé d'un milliard d'âmes, c'est vrai qu'il y a encore des défis en Chine, mais la pauvreté est en train d'être résorbée. Et nous ne sommes que 100 millions, donc c'est possible d'y arriver. Le jour où nous y arriverons, je crois que la République démocratique du Congo changera de narratif. On parlera de mon pays d'une autre manière et avec beaucoup plus de respect qu'on nous le donne aujourd'hui. You think that will happen in your tenure? The change of perception, the change of narratives? Dans moins d'une dizaine d'années. Our very best wishes. Thank you so much, Mr. President. Thank you for this opportunity. C'est moi qui vous remercie. The president of the DR Congo also said to me that industrialization and digitalization are two of the priority areas he's working on for his country, where China can be a strong partner. And he also considers China's model of development appealing in that it unifies and delivers. Thank you for watching this episode of Leaders Talk. I'm Wang Guan. See you again next time.